cher ami dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous disons bon Dieu merci, nous balayons toute gloire, tout honneur que lui seul mérite. Maintenant, nous bien contents pour nous capables de venir dans l'assemblée Seigneur là, pour nous capables de célébrer. Pour nous capables de commencer le service nous matin. Hein? Et nous prions, on va mettre debout pendant que nous allons commencer le service. Non? En matin, hein? Nous espérons que nous allons faire la lecture du psaume 117. Et nous allons faire lecture ça ensemble et pour nous capables commencer et adorer les Seigneurs et nous espérer que vous-même qui suivent nous la caille ou prêt pour capable adorer ou même qui dans le sanctuaire là nous venons pour nous capables adorer les Seigneurs. Louez l'Éternel vous toutes les nations, célébrez-le vous tous les peuples car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous Dieu merci. Merci pour gloire, pour honneur, merci pour fidélité. À ce dimanche de la résurrection, permettez-nous de dormir, nous lever et nous venir bientôt matin hein, pour nous capables de reconnaître et commémorer que c'est vous-même qui, bon Dieu, et un jour qu'on sort et ressuscité, sorti de la mort et passé à la vie et vivre éternellement. Matin, nous lever, service d'adoration, ça n'a même pas. Nous demandons tout ça qui va faire. On va recevoir au Seigneur, on va aller pour vous-même, cher Seigneur, comme un bon moment et un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous Dieu merci. Nous prions parce que nous sommes dignes. Et de prier au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Oh.
toi pour l'éternité. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, nous exaltons. Papa, merci. Merci pour vous-même. Vous-même qui sous trône, qui pied élevé. Le seul vrai Dieu, d'éternité en éternité, où c'est Dieu. Ou créer tout ça qui existait pour bon gloire. Que c'est dans le monde visible, que c'est dans le monde invisible. Dans le monde invisible, quand vous gagnez le monde des esprits, les anges qui sont à ton service. C'est même genre dans le monde visible ça. Ou créer tout ce qu'on crée en commençant par la nature. Zébio, tu as commencé par les poissons, les oiseaux, les animaux, tout pied bois, il y a là pour gloire. Et nous-mêmes, l'homme qu'on crée dans l'image, selon ressemblance, pour placer nous sous terre, pour nous faire volonté. C'est pour ça, peuple ou a réuni matin, pour y avoir une bonne gloire. Papa, nous invoquons au Seigneur. Nous faisons appel à vous. Nous faisons recours à vous pour prendre la première place là dans le service ce matin. C'est où dis-nous, cherchez-vous. Nous avons besoin de nous si nous cherchons avec tout cœur. Et nous connaissons le matin. Où là, Seigneur? Parce que service ça, pas cap rien sans ta présence. Et nous voulons en plus de cette présence, nous voulons la manifestation de ta présence, Seigneur. Pour toucher des cœurs, pour ramener ça qui est loin d'une pipe. Et c'est comme ça, papa, ou abjoint adoration, j'en ouvre là, j'en remets là. Ou dit papa, adoration ça, ou attendre dans mes noix, c'est pour le fait en esprit. C'est pas simplement des gesticulations, des vociférations, mais l'esprit nous a prêté en contact intime avec vous-même, qui c'est le Père des esprits. Et en vérité, parce que, quel que soit ça, n'a pas fait, la paix qui a un fondement sur ta parole. Papa, prends contrôle de ce qu'a fait là. Nous connaissons culte ça, le cas insignifiant devant la quantité de ça ou à recevoir dans mes esprits, dans mes anges. Mais la paix a un pesant d'or dans la balance, les nous fait en esprit et en vérité. Comme ça, papa, nous devons peuple ou à qui là. Mais qui ça cap suivre nous à distance. Que c'est en présentiel, que c'est à distance, nous tous, nous mettons que nous ensemble, voix nous ensemble, Seigneur, pour nous exalter, pour nous magnifier, pour nous bonne gloire. Quel que soit le monde, Seigneur, qui mette main pour faire service ça, capable, un service, qu'on prend plaisir là-dedans. Nous disons, papa, par ton esprit animé au Seigneur. Que ce soit les musiciens, les chantres du groupe d'adoration, et si là, il y a la technologie, dans l'équipe média, que ce soit le service d'accueil, tout l'autre monde, Seigneur, qui est dans ce service-là, surtout si là, qui pourrait le dire, ainsi parle l'Éternel. Comme ça, toute gloire va venir joindre nous et peuple va édifier. Nous vous remercions, papa. Nous vous remercions d'avance parce que nous connaissons autant de prières nous et vous déjà répondu parce que nous pas fait dans nom nous ni à cause de mérite que nous gagnons, mais c'est dans le nom de celui qui a été sur la croix, qui a versé son sang, qui est mort pour nous, mais qui est vivant
au siècle des siècles. Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Libérateur. Amen. Et gardez la posture debout. Nous allons accueillir la sœur Marie-Vierge Vincent pour la lecture du psaume 98. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Parole du Seigneur. L'Église, bon Dieu béni. Vraiment, on dit hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur. Combien de monde qui croit que bon Dieu est vivant maintenant? Combien de monde qui croit que bon Dieu est ressuscité pour avoir la vie éternelle maintenant? Les femmes, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire, gloire à Thank you.
Enterré matin, c'est ça que fait nous papa célébrer la mort, mais n'a pas célébré Christ ressuscité. N'a pas célébré matin côté la mort pas gain pouvoir sur nous encore, la mort pas gagné bataille là matin, nous toutes n'a déclaré victoire, même Jean la parole dit au mort, où est ton aiguillon? Au mort, matin, c'est Seigneur. Gardez-nous pour mort, pour la mort, pas de pouvoir sur nous matin encore, Seigneur. Parce que tu es ressuscité, tu es roche là, tu es roulé dans le troisième jour. Roche la te roule maladie yo Seigneur matin nous capable di y a guéri. Roche la te roule Seigneur pour maladie pas gain pouvoir sur nous encore. Roche la te roule cher Seigneur pour prison pas gain pouvoir sur nous matin Seigneur, c'est ça que fait n'a déclaré et nous libre matin non non ou même qui te baille la vie. Merci Seigneur pour sacrifice vivant ça, qui grand jour de
célébration ça Seigneur qui nous que tu fais pour nous n'a célébrer non n'a levé ou en l'air pour nous dire où c'est mettre nous où c'est sauver nous Seigneur longtemps longtemps qui t'est passé au Seigneur nous dit gain pour nous te bailler sacrifice mais qu'on y a Seigneur où tu bailles la vie ou en sacrifice pour nous Seigneur c'est ça que fait peuple qui campé matin capable dit capable honorer au Seigneur ça fait n'a exalter au matin toute louange c'est pour au matin non en sainte ça non assemblée ça matin Seigneur nous voulons adorer merci Seigneur pour tout monde qui a levé non partout et ailleurs qui a dit c'est l'Éternel qui bon Dieu monde matin qui a célébré résurrection au Seigneur parce que la vie nous sans li tap inutile si matin ou pas de ressuscité entendre ça Seigneur et nous disons merci pour ça peuple ou a pas adoré peuple ou a ploué au matin Seigneur gardez-nous que tout ça qui va faire là matin cher Seigneur n'a demandé pour le fait en bas onction divin au Seigneur que si là yo qui en route qui va venir Seigneur qui n'a demandé pour rater pas yo Seigneur il va arriver là saint et sauf côté il va venir louer il va louer non seulement aujourd'hui en Seigneur mais on va toujours rester dans pieu pour louer pour le temps et pour l'éternité mes services ça nous mettez service là dans main en Seigneur Il y a un chant qui pour chanter, cher Seigneur. Il y a un message qui pour parler. Parler avec vous, avec nous encore, à travers parole. À travers parole, parce que parole, c'est la vérité. Parole, c'est chemin. Parole, et c'est la vie, cher Seigneur. Parlez dans le cœur, nous. Fais-nous tant de voix, une fois encore, que vous vivez pour vous-même, qu'à parler avec petit tout Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, dirigez-nous, gardez pays-nous en Haïti qu'on y a, Seigneur, côté peuple haïtien qui vivent dans la vie qu'il y a vivre, on vit qui vraiment, Seigneur, qui n'est pas agréable. C'est vous-même qui bon Dieu, c'est vous-même qui régnez sous terre, c'est vous-même qui régnez sous nation, et le monde et la terre t'appartient, Seigneur. Et matin, dis un mot pour yon côté. Qui est la guerre éclatée dans le monde, ça, Seigneur. Almettez la paix, parce que vous-même, vous êtes bon Dieu de paix, parce que domination le monde, l'autre est venu. C'est dans le monde qu'il y a, Seigneur. Maintenant, je demande au Seigneur, pas quitter l'homme, dominer le monde, mais vous-même, mettez domination ça dans le monde, Seigneur. Almettez la paix, côté la guerre éclatée, cher Seigneur. Toucher sa yo, matin en apando, Seigneur, kap cherche face ou et qui malade, Seigneur grand Dieu. Parce que c'est celle ou même qui kon guéri. On dit dans parole ou, Seigneur, c'est ou même qui kon guéri, c'est ou même qui kon touche, c'est ou même qui baille la vie. Matin, Seigneur, touche yo avec main guérissante ou en Seigneur. Parce que nous sommes bon Dieu. Son bon Dieu qui bon. Fais-nous sentir en foi encore bonté ou à travers de nous. Fais-nous sentir en foi encore, cher Seigneur, ça toujours te qu'on fait pour nous. Fais-nous sentir présence sous matin parmi peuple, cher Seigneur. Gardez-nous comme ça, Seigneur. Dirigez-nous et protégez-nous. Nous prions pas parce que nous bon, cher Seigneur, mais nous prions. Et Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, que grâce et paix de Dieu soit avec vous tous. On fera encore nous réitérer les mots de salutation auprès de nous chaque qui fait déplacement pour nous capables de venir adorer avec l'Église baptiste grâce connexion matin dans l'intérêt pour
sauvegarder le temps qui mettait à pas matin hein, pour nous capables faire service ça. Nous voulons profiter occasion ça pour nous saluer chaque bien-aimé qui a adoré avec nous pour une première fois. C'est toutefois c'est un invité d'honneur que vous êtes matin hein, ou venez à travers vos amis, une famille. Nous voulons que vous connaissez, nous apprécier présence au matin hein. Et nous gagnons au chemin qui là seulement lever main au côté il y a une carte de connexion. Et ou capable de partager li avec nous, les nous avons ramassé offrande. Et si vous voulez faire ça électroniquement, tout, ou capable de garder sur l'écran, hein, et surtout même qui a suivi avec nous en ligne, ou capable de taper ou bien texte mot connect dans 786 980 96 97. Et tout de suite après service, hein, nous allons avoir l'occasion pour nous capables de serrer la main et embrasser ou, et dire comment nous content pour nous voir là tout. Et nous reconnaître, comme nous souvent fait bon ici, en un dernier dimanche, moyo, nous toujours mettons en valeur les gens qui a célébré, et non seulement a célébré date de naissance, mais qui aussi bien a célébré anniversaire mariage. Nous disons bon Dieu merci pour même, et nous souhaitons que nous va gain chance après service et encourage. On ne faut encore pas oublier, après-midi à 3h, nous va clôturer le service et conférence annuelle que nous gagnons. Pendant une semaine, ça, dans l'église Baptiste Grâce Connexion, tous les trois campus, on va réunir ensemble. Nous pas dit 3 heures pour nous commencer à 3h30, mais nous disons à 3h, nous avons commencé. Et constatons, nous gagnons service d'ordination que nous avons ordonné des nouveaux diacres pour capable rejoindre le ministère de l'église. Là. Encore, nous prions en grâce. Ou même qui fait partie chorale, là, maestro Jean-Rico Darius, invité pour là depuis vers 2h30, pour capable finir, faire un dernier repassé pour capable entrer avec chorale à 3h pour nous commencer. On fait encore, nous dit bon Dieu merci pour ça. Maintenant, nous allons passer dans le service Sainte-Seine. Pendant que Diak Nouyo va rejoindre nous sous table, nous encourageons vous-même qui à l'étage, qui voulait participer dans Sainte-Seine, nous encourageons vous descendre pour capable participer dans Sainte-Seine. Musicien, tout le monde qui voulait, et pour dire qu'il est capable de joindre nous accessiblement pour être capable de participer dans Sainte-Seine. Si toutefois vous voulez participer dans Sainte-Seine, nous encourageons occuper siège devant yo. Nous voulons dire la Sainte-Seine, bien-aimée, c'est une ordonnance sacrée. C'est l'une des deux ordonnances que Jésus te baille l'Église là, après sa mort, avant son ascension. Et ça fait dans Marc, chapitre 14, verset 22, pour arriver dans verset 25. Et l'évangéliste Marc rapportait, il dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'agneau qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nous à nouveau dans le royaume de Dieu. » Matin, bien-aimé, la Sainte-Seine, c'est un bagage qui est sacré. On faut encore nous commémorer et pour nous capables de reconnaître qui ça Jésus est dans la vie. Nous. Et pendant que nous allons chanter le numéro 54 français dans le chant d'espérance, qui dit « À la croix où mourut mon sauveur ?» Nous allons faire mes yeux dans le moment ça. Côté nous va demander bon Dieu pour bénir pain et bénir vin. Et puis nous va demander lui pour lui rentrer et effacer quel que soit ça qui t'a empêché de nous servir pour ne pas attirer aucun jugement sur nous. Nous fermons les yeux. Seigneur Dieu fort, Dieu grand, nous disons merci. Nous avons toute gloire, tout honneur que vous seul méritez. Merci Seigneur pour le moment ça. Nous demandons va bénir pain hein, qui symbolise corps ou va bénir vin hein, qui symbolise sang. Et nous connaissons papa, il y a plus jeune en nous matin qui pourra participer dans le repas ça. Nous pas digne pour nous t'achiter sous table, Seigneur. Mais puisque vous dites, même si péché en ta rouge, tant que cramoisi, capable de faire plus blanc que la neige. Nous m'avons tant pris Seigneur, pardonnez péché nous. Mettez-nous en réconciliation avec vous et permettez-nous de réconcilier avec le monde que nous avons dans le cœur nos matins, Seigneur. Afin que nous soyons capables de prendre un repas, Seigneur, qui digne. Nous disons merci, Seigneur. Nous ne prions pas parce que nous sommes bons, mais nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles.
Paul rapporté ses paroles à l'église de Corinthe et certainement à l'église baptiste de grâce Connexion Matin. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-nous tous ensemble. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ouvrons-nous tous ensemble. Fais mes genoux pendant Jacques et Sylvain dans quelques mots. Va dire bon Dieu merci pour repas cette semaine matin. Seigneur, nous rendons grâce à vous-même. Est-ce que vous te permettez maintenant que vous participez à table, Seigneur Dieu. Vous permettez que nous participions dans la fraction du pain et du vin, ça qui symbolise le corps qui te met en vie. Et que tout cela est capable de servir. De bénédiction et ça a arrêté. Nous sommes en communion avec, non seulement avec vous, avec nous, mais avec ceux jusqu'à ce que vous pouvez tout. Alors Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci, c'est fin de Saint-Saint. Maintenant, on faut encore nous remercier chaque monde qui a eu l'opportunité pour participer ensemble avec nous dans le repas Seigneur. Là. Et vous-même qui avez suivi nous en ligne, nous souhaitons que la prochaine fois, on va gagner une opportunité pour capable rejoindre nous. Pendant que nous avons demandé le ministère des Dames pour nous préparer pour capable faire une présentation spéciale, nous va inviter la sœur Fédeline Joanne Luc pour les capables avancer pas devant et puis nous demander Jack Nouyo va rejoindre nous dans le moment que ça possible. Nous voulons qu'on ait bien aimé. Et matin, nous avons une présentation au temple. Dans Matthieu, chapitre 19, la Bible dit que Jésus-Christ a béni moun. Et il a barré pour enseigner des timouns par venir joindre. Et il dit, dans la parole, ça a quitté les timouns, il vient joindre moi. Parce que le royaume bon Dieu est assemblé avec les timouns et avec les gens qui comportaient tant que les timouns. Il dit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Bien aimé, la présentation au stamp, ou bien ça nous est les dédications pour Timounio, c'est une tradition qui sortit depuis dans la religion juive et rentrée dans la religion chrétienne. J'en nous dit ça, c'est ça nous est les tradition judéo-chrétienne. Chaque fois que bon Dieu bénit un parent avec un Timoun, il toujours prend le soin pour le capable présenter au Seigneur, parce que Timoun, c'est une bénédiction de Dieu qui est liée. Et maintenant, nous gagnons un privilège pour nous capables et présenter la petite Maïra, fait ma gloire devant le Seigneur. Et traditionnellement, j'en nous fais ça ici, nous reconnaître que présentation au temple, pas seulement un acte traditionnel, mais c'est un acte de foi, côté où à présenter non seulement devant bon Dieu, mais on va présenter devant congrégation, certainement, on va prendre engagement ça pour publiquement prendre responsabilité pour lever Timoun hein, devant les seigneurs dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ça fait dans Deutéronome chapitre 6 et sous garder dans verset
9, la Bible explique clairement responsabilité que bon Dieu te baille avec peuple juif là. Il dit voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Il dit, tu les écouteras donc, et on va continuer, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras et tu te liras comme un signe sur tes mains. Et c'est ça, bon Dieu, voulait pour nous qu'imbé parole là tout partout afin que nous ne pas péchions. Pendant nous regarder congrégation, hein, moi je voulais demander où. Si toutefois ou d'accord et sœur Fridline ensemble avec témoin qui ensemble avec ou pour prendre responsabilité devant bon Dieu devant congrégation hein, pour lever petite ça selon l'enseignement de la parole de Dieu ou va dire amen. Et moi j'ai demandé congrégation en tout si toutefois ou d'accord pour supporter cette femme avec famille pour lever la petite Maïra devant le Seigneur selon l'instruction de la parole de Dieu ou va dire amen. En pile de fois, les plus faciles, moi-même, ensemble avoir pour nous critiquer, pour nous dire ça, nous te ouais, mais les bons tout pour nous supporter, encourager dans la prière et dans toute assistance possible, afin que le Seigneur soit capable de bénir petit ça. Nous pouvons aller descendre pour nous capables de prier pour lui, mais nous encourager, nous va chanter ensemble avec M. Cantique qui dit nul enfant n'est trop petit, et nous va chanter Yonk Soif et nous va prier pour la petite Maïra. Nul enfant n'est trop petit pour la haute étoile quand le Seigneur t'y conduit marchant à sa droite. Nous disons merci Seigneur, nous demandons qu'on va recevoir lui afin qu'il soit capable de grandir comme une servante de ta maison Seigneur. Côté il va utile famille, il va utile communauté lui et certainement il va utile royaume pour le capable prêcher l'évangile et pour le capable repousser force fait noir pour le capable utile. Je te gain femme tant que Dorcas. Je te gain monde tant que Phébé. Je te gain monde tant que Anne. De livrer au Seigneur au ministère de ton royaume Seigneur. Nous m'a béni parents, béni amis, famille et béni l'église grâce connexion afin que nous capable toujours gagner de quoi dans grenier yo. Nous capable pouvoir à besoin que li gagne Seigneur. Nous m'a été avec elle, préserver elle, protéger elle de toute maladie afin qu'elle capable grandir Seigneur dans l'enseignement de ta parole Seigneur. Nous vous merci rester avec nous. Nous pas prions au Seigneur parce que nous bon nous dit. Et nous seulement prions au nom de ton Fils Jésus, qui fut immolé sur le bois du calvaire, pour le pardon de nos péchés. Amen. Maintenant, pendant Damio a monté rapidement pour nous capables d'attendre un ministère, un morceau spécial des dames et groupe adoration a préparé pour être capable d'aller adorer ensemble avec nous. Nous encourager Damio à faire ça pour nous
Et nous voulons rappeler encore, nous remercions, nous attendons plus tard, depuis bien bonheur, et pour nous capables de commencer avec service nous à 3 heures après-midi. Hein. Et les dames ont fini, nous pourrons l'adorer pour nous ramasser les dîmes et les offrandes. Mais nous voulons dire, bien aimé, nous compter sur support et façon toujours supporter le ministère, ça, et pendant la semaine révèle, hein, et toute préparation qui fait, et nous encourageons, va toujours porter offrande nous pour l'église. Là. Et plusieurs façons capables de faire ça, ou même qui dans le salon, capables toujours prendre une enveloppe. Et si vous prenez enveloppe, vous pouvez mettre cash, vous pouvez mettre chèque, vous pouvez faire chèque, vous pouvez faire sous grâce connexion Baptist Church. Et si vous voulez bailler en ligne, tout, et spécialement vous-même qui suivez nous en ligne, vous êtes capable de faire ça à travers Internet sous le numéro Zelle l'Église Anguin, qui c'est 305-515-0522. On fait encore Zelle l'Église Anguin, c'est 305-515-0522. Vous êtes capable d'aller sous le website l'Église Anguin, qui c'est www.gracecbc.org. Et nous va préparer pour nous ramasser offrandes. Bonne édition avec le ministère des dames. Et tout de suite, groupe adoration va monter pour nous capables d'adorer, ramasser les dîmes et les offrandes. Que bon Dieu bénisse. Amen. Mon sauveur, oui, à la croix, à cause de mes péchés. Au sang, sang a coulé pour moi et je suis sanctifié. À la croix, à la croix, à la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant, je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice. Car mon Sauveur m'a racheté par son sacrifice à la croix. À la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant, je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur. Pour vivre dans son amour, en lui je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. À la croix, à la croix, à la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant, je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur pour vivre dans son amour. En lui, je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. À la croix, à la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. À la croix, à la croix, à la croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant, je suis heureux chaque jour. Hallelujah, church.
Hallelujah, church. Ma mère nous campé avec moi. On a levé mes mains. Crie béni soit l'Éternel. Crie béni soit l'Éternel. À la ou grand Seigneur. À la ou grand Seigneur. À la ou capable Seigneur. À la ou merveilleux Seigneur. C'est pas tout Jésus qui te mouille sous la croix pour nous. Nous ne pas ta place aujourd'hui. Sur le toit et à la
Alléluia. Je sens tout béni matin, nous dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On voit encore merci, merci, musicien. Merci pour l'adoration. Depuis le soleil a levé jusqu'à ce qu'il couche. Nous disons bon Dieu merci. Nous balayons toute gloire, tout honneur que les seuls méritaient. Nous connaissons les Seigneurs fait de grandes grâces. Et permettre moi-même ensemble avec vous, nous capables là matin. Hein? Et nous faisons ça, nous devons faire. Il y a un pile monde qui te souhaité pour vous là. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que vous joignez. Il y a des gens qui couchaient hier soir, qui pas levé matin. Il y a des gens qui levé matin, qui prend machine pour vous déplacer. Mais malheureusement, vous n'êtes pas arrivé. Pour une fois encore, chers bien-aimés, nous prions que la paix et la grâce de Dieu capable de reposer sur nous chaque qui là matin, qui est venu, pour nous capables d'adorer les Seigneurs en esprit et en vérité. Une fois encore, nous voulons prendre un petit temps pour nous capables de réitérer les mots de bienvenue. Certainement, salutations à chaque monde qui choisit pour adorer avec l'Église Baptiste Grâce Connexion, spécialement bon, ici dans Kendall, qui nous servit comme centre principal. Et l'église, ça, l'église qui est multisite, nous avons location dans Sunrise, dans Fort Lauderdale, et certainement, on l'autre espace dans Naranja, dans Homestead. Et nous disons bon Dieu merci pour vous-même, peut-être qui a pas adoré avec nous pour une première fois dans dimanche. Nous connaissons des gens qui a préparé pendant ce matin, qui a fait cheveux, qui a préparé pour après-midi, pour célébration. Et certainement, nous va clôturer, réveille-nous après-midi, et puis nous va gagner un service d'ordination. Nous encourageons par été la caille, invitons amis, non seulement pour venir adorer les Seigneurs, pour tendre le message de la parole de Dieu, mais pour capable supporter famille ça qui gagne, nouveau leader ça qui va prendre responsabilité pour engager dans le diaconat de l'Église Baptiste Grâce Connexion. Maintenant, nous gagnons famille Dufresne qui gagne des proches qui a pas adoré avec eux, qui venant d'Haïti. Nous disons bon Dieu merci la chère charité. Moi c'est pour seulement bon Dieu t'es ouvert. Nous applaudis les Seigneurs avec famille. Moi dis bon Dieu merci pour ça. Nous contentons. Merci au capable Chita. Nous pensons peut-être c'est pour même seulement bon Dieu t'es ouvert avion faire rentrer après ça va la fermer encore. Et monde qui en Haïti peut-être qui a suivi nous faire connaître qui secret qu'on gagne peut-être tout pour rentrer. Pas côté même passer dans la République Dominicaine, c'est venir tout droit. Et bien tout droit nous dis bon Dieu merci pour ça. Matin nous content que nous là et certainement ou même qui a visité avec nous pour la première fois tout, j'en te dis, après service ça nous va une chance pour nous serrer la main et pour nous capables encourager dans le Seigneur. Et l'église bien aimée c'est meilleur côté qu'on capable avec famille ou qui t'aime dire quel que soit sort t'as qu'attend de l'église qui t'aime dire en dedans plus bon que dehors, parce que dehors c'est force fait noir qui fait ravage, dehors c'est hypocrisie, dehors c'est coup de couteau dans dos. Mais le Seigneur bien aimé il mettait nous parmi des monde qui capable prier pour nous, qui est capable d'encourager nous dans le besoin pour nous capables de servir mon Dieu fidèlement. Et maintenant, nous sommes contents pour nous capables de souhaiter une joyeuse Pâques et surtout en ce dimanche de la résurrection. Et je dis dimanche, ça, c'est le jour nous mettons à part pour nous capables de commémorer la résurrection de Jésus-Christ quand il était sorti de la mort, passé à la vie et fait ça éternellement, une fois pour toutes, pour le pardon de tout péché. Ça fait salmiste en l'écrier dans le psaume 118, verset 24, que moi-même ensemble avant nous aimons citer. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Jodian, nous a commémoré, j'en nous dis, le jour de la résurrection de Jésus-Christ après sa mort sanglante. Sur la croix, le bois infâme du calvaire, et certainement en ce vélissement pendant 3 jours, il était au tombeau. Mais ce jour de commémoration, nous voulons faire certain, nous disons, il n'y a pas absolument rien pour eux avec des traditions ridicules que un pile monde a célébré pour être capable de mettre et à l'honneur et des rites de fertilité que yo gagnent côté gain tradition gain jeu gain lapin gain toute bagaille ça yo ça pas gain rien à voir avec la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est des traditions que l'église parfois fouille en dedans. But what we celebrate today is simply and absolutely the resurrection of Christ. Okay, nous pas célébrer jeu, nous pas célébrer lapin, nous pas célébrer acte de fertilité, nous pas célébrer ce dimanche que bon Dieu te voyez petit, il vient mourir sous bois calvaire et il est levé un dimanche matin comme ça, bien bonheur. Et c'est ça que nous avons dit, bon Dieu, merci, c'est là la célébration. Parce que la Bible dit nous clairement que Jésus est ressuscité à l'aube du premier jour de la semaine qui c'était un dimanche.
Donc, il est digne de célébrer le jour de la résurrection de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est notre Dieu et qui est notre Seigneur. Maintenant, bien-aimés, nous prions qu'on soit capable de camper ensemble avec nous. On fera encore, si Pierre permet tout, nous allons faire ensemble la lecture que nous joignons dans Matthieu chapitre 28. Nous allons lire les 7 premiers versets. Nous allons lire dans Louis II en français d'abord. Et après ça, nous allons lire pour ceux qui comprennent l'anglais au plus, même texte en anglais. So Matthew chapter 28 verses 1 through 7. Nous allons lire ensemble avec moi et pendant que nous allons respecter la ponctuation yo, pour nous faire ça. Peut-être m'appeler dans le livre Bampito parce que j'ai commencé à être trop clair et parfois nous parler pour nous être trop pour nous manquer. Et parfois, quand on dit l'eau est trop ou qu'on ne parle pas bien parce qu'on est trop loin. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Machita, nous va lire en anglais pour. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples. He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Father God, thank you for your grace. Father, thank you for your mercy. Thank you for waking us up this morning. Thank you on this day of resurrection. You have kept us safe. You protect us. And now we're here to exalt your name. Nous m'avons tant pris, papa, dans le moment ça, en ce grand jour de la résurrection, où permettre, Seigneur, nous t'es capable de lever de sommeil la mort. Nous prenons machine, nous venons par bord ici. Et c'est là où Dieu, trois fois cinq, qui a suivi à distance. La côté oyé, Seigneur, mettez ensemble avec nous, on va, bon, nous yons oreilles qui attentives, afin que nous va attendre des paroles au Seigneur. Nous va croire dans paroles au Seigneur, et nous, nous va bénir. Même Seigneur, qu'on confie le message de ta parole matin, nous connaissons, Seigneur, nous pas bons, nous pas dignes, nous pas capables, Seigneur, et nous pas connais. Mais puisque, Seigneur, tu es le Dieu souverain, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent et le Dieu omniprésent, le Dieu immuable, le Dieu qui ne change pas, nous demandons autant prier, Seigneur, matin. On va servir avec nous, même Jean, ou servir avec les prophètes, ou servir, Seigneur, avec les apôtres. Ou capable de vider l'évangile ou Seigneur dans le canal nous. Et l'évangile va vider. Et l'homme qui te rentre troublé et dit troublé, Seigneur, il va réconforter. Nous disons merci, Seigneur, nous ne prions pas parce que nous sommes dignes. Mais nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Matin, bien aimé, dans le texte à côté de nous sautons, hein, dans Matthieu chapitre 28, nous lisons seulement 7 premiers versets pour capable garder ensemble avec vous l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ.
Bon, certainement, matin, nous voulons titrer le message de la parole, la réalité de la résurrection de Jésus. La réalité de la résurrection de Jésus, the reality of the resurrection of Jesus. Et certainement, autant de plusieurs itérations de l'histoire de la résurrection de Jésus, il y a un pile monde qui rapportait ça à travers les livres et les histoires du monde, et certainement à travers les quatre évangiles. La Bible baille comment ça a été fait, comment Jésus, bon Dieu, après la création dans Genèse chapitre 1er, et bon Dieu créé l'humanité, il mettait toute bagaille au service de l'homme, et bien le péché pour aller rentrer, pousser l'homme, entrer dans séparation, mettre dans inimitié entre Dieu et l'homme. Et bien bon Dieu mettait son plan rédempteur afin que qu'importe monde qui croit la donne, et bien il va gagner la vie éternelle, qui t'aime Dieu bien aimé, pas grand monde sous la terre. Même les anges pas suffit bien aimé, même les archanges, même les chérubins, ils ont pas gagné autorité et capacité suffisamment pour être capable de venir et sauver l'humanité. Maintenant, nous avons dit la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est important pour nous parce que qu'ils permettent que nous sommes capables de sortir des noisseurs à la vie, qu'ils capables de nous sortir du péché à la vie éternelle. Les bons nous ont la vie, côté la Bible dit les choses anciennes sont passées, mais maintenant toutes choses sont devenues nouvelles, afin que, bien aimé, nous sommes capables de s'annouer aujourd'hui, hein, comme on le dit dans Hébreux 7, 8. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Bien-aimé, sacrifice sous bois calvaire, c'est lui-même seul qui te suffit pour être capable de laver péché non fois pour tout. Sans bœuf, pas de cafel, sans cabrit, pas de cafel, sans mouton, pas de cafel. Et pas aucune autre bagaille jusqu'à maintenant, sauf le sang versé de Jésus-Christ. Eh bien, ce texte, bien-aimé, de Matthieu, il marque un point culminant dans l'évangile Matthieu. Et cet homme, Lévi, bien-aimé, quand il exprimait la résurrection de Jésus-Christ, il mettait en phase sur comment ce matin, bien-aimé, glorieux, à l'aube, Jésus-Christ ressuscité, quand il présentait un récit, un rapport, une histoire qui est puissante de la résurrection, pendant qu'il mettait lumière sur la réalité historique et extraordinaire de cet événement. This is something that is important to this text. And it took the time to put emphasis on the resurrection itself. How important this text is to me and to you, how extraordinary that it is as a text. Eh bien, Matthieu, bien-aimé, il continuait, côté nous sommes liés, pour lui souligner le rôle crucial des femmes, bien-aimé, comme premier témoin de la résurrection. Et vous êtes capable de comprendre ça, toute l'église aujourd'hui qui parle au ministère des dames, toute l'église maintenant, bien-aimé, qui parle des dames missionnaires, et sorti depuis le ministère de Jésus-Christ, où il y a un problème. Retourner à demander à Dieu pour reconsidérer appel ou parce qu'on dirait que sans le ministère des dames, sans le travail des dames de l'église, sans que nous n'ayons pas problème avec monsieur et moi-même, on dirait que bon Dieu, depuis au commencement, les dames ont un travail spécial dans l'avancement de son royaume. Et ouais, même au jour de la résurrection, eh bien, les femmes, c'était le premier témoin qui était dans la sous-site-là. Peut être capable de faire expérience à la résurrection de Jésus. Elle était des témoins privilégiés de la résurrection de Jésus-Christ. So we can understand the importance that the women play in such a resurrection. En fait, Matthieu, il montrait dans un passage ça, la victoire éternelle de Jésus sur la mort. Et il établit certainement un fondement solide pour que moi-même ensemble avant nous capables de reposer foi nous, pour que nous pas une foi qui vacille. Une foi qui dirigeait en fonction de qui moun qui président, en fonction de qui gens pays aillé, en fonction est-ce qu'on travaille, votre foi nous reposer sur Jésus qui ressuscité le troisième jour et lui prend rôle pour que nous capables gagner pouvoir pour nous vivre et fonctionner. J'en ai fait ça. Pour le faire rapidement, pour nous capables mieux comprendre la profondeur, l'importance de cette réalité qui transcendait, bien-aimé, toute l'histoire de l'humanité qui transcendait toutes les attentes humaines, nous voulons explorer et partager avec vous seulement trois éléments qui abgardaient, qui nous tiraient de texte. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 1 et verset 7, nous allons seulement mentionner ces trois éléments et après quoi nous allons garder qui est cela dans nous. Nous capables arriver à garder ensemble avec vous. Premier facteur ou bien premier élément que nous voulons garder maintenant, c'est ça, nous relève la puissance de la promesse divine. La puissance de la promesse de Dieu
Et matin, dans l'école dominicale, nous t'a demandé qui ça, résurrection, symbolisée pour nous. Il y a nous qui te dit certainement, bon Dieu, qui me promesse, c'est des choses qui t'ont promis depuis au commencement. Ça fait nous, premièrement, la promesse, la puissance de la promesse de Dieu. Et deuxième bagaille, nous voulons garder dans le texte, non? C'est la joie que porte cette résurrection. La joie de la résurrection de Jésus. Non seulement promesse a été faite dans le temps, mais actuellement la joie que résurrection en Liban. Et troisième bagaille que nous voulons garder ensemble avec ou sous nous temps, maintenant, c'est la mission transcendante de la résurrection. The transcending mission of the resurrection. La mission transcendante de la résurrection. Et sous garder la puissance de la promesse de la résurrection, ou garder la joie de la résurrection, et ou garder la mission transcendante de la résurrection, et bien l'englober ou bien encompasser l'espace cosmos. L'englober le temps, l'englober le passé, l'englober le présent, l'englober l'avenir. Qui veut dire la résurrection de Jésus-Christ, l'était prophétisé depuis dans le temps ancien, et bien nous vivons dans les chrétiens maintenant. Et dans le temps qui vient pour venir jusqu'à la résurrection générale, eh bien, tout ancré sur la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, nous rapidement regarder cette promesse, la puissance de la promesse de la résurrection, bien aimé, qu'elle est expliquée qui j'en s'était faite. Nous dit la résurrection de Jésus-Christ, c'est la manifestation parfaite de la puissance et l'accomplissement de la promesse de Dieu. You can understand that God promised from the very foundation of time that a man would come and take upon himself the sins of the world. Et c'est ça, bien-aimé, que bon Dieu lui te promet que va gagner un monde qui va venir, il va prendre péché du monde pour capable effacer péché et porter la vie dans nous, bien-aimé. Et ça arrive vraiment l'y accompli. Le tombeau vide, bien-aimé, c'est pas seulement un hasard. Le tombeau vide, bien-aimé, ce n'est pas seulement une chance. Le tombeau vide, bien-aimé, ce n'est pas seulement un coup d'éclair, mais c'est parce que le Dieu que nous savons, le Dieu souverain, eh bien, il te promet lui, eh bien, l'accomplissement de la promesse de Dieu, il pourra rentrer en œuvre. Il pourra rentrer à l'action, et c'est ça que fait Jésus pour le ressusciter ce dimanche matin. Moi, maintenant, Psaume 16, verset 10, côté le psalmiste, il crie, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. This is what they call like a forerunner. God allowed David to say these words. David, dans le texte là, il a montré comment bon Dieu te gagne à prophétiser que Messie hein, va mourir, il va rentrer dans le tombeau, mais il n'est pas prêt à décomposer, bien-aimé. Parce que le plan de Dieu, lui allait bien aimé, nous dit malgré les tactiques des Romains, malgré les tactiques des Juifs mal intentionnés, ils ont placé Saul sous tombeau, ils ont placé soldats pour abgader, mais yon nan bagay sa yo, pat ka retenir la puissance de Dieu, bien aimé. L'autorité de l'homme, bien aimé, pas capable de comparer avec l'autorité de Dieu. Eh bien, la puissance de l'homme, pas capable de comparer avec la puissance de Dieu, quel que soit pays, quel que soit président, quel que soit roi, bien-aimé, il n'est pas capable de comparer. Il est capable de voir dans verset 2, arriver dans verset 4. Le texte dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ou ka imagino, bien-aimé, événement ça. Zange sorti dans le ciel. Roule wash lou ça, bien-aimé. Côté garde ap gade. Côté des soldats bien équipés, bien entraînés, ap veye. Mais il dit, les gardes tremblaient de peur et devint comme. Comment? Because they could not stand. They could not withstand the power of God. La résurrection témoigne que la mort n'a pas le dernier mot. Mais Jésus, qui est la résurrection et la vie, il triomphe toujours. C'est Jésus who is the resurrection and life. He will always be triumphant. Death does not have the final word, but Jesus does. Ça nous dit, malgré yo trahil, malgré yo arrêtel,
malgré yo jugel, malgré yo maltraitel, malgré yo matirisel, malgré yo condamnel, malgré yo marel, malgré yo clourel, malgré yo poignadel, malgré yo touyel, malgré yo enretel, malgré yo mette garde pour veiller, mais tout ça pas empêcher ressusciter l'évêque en paix pour prendre autorité sous la mort bien-aimé. Maintenant avec cette puissance, nous capables de comprendre l'autorité de Dieu. Ça fait apôtre Paul lui écrit à l'église de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55 et arrivé dans verset 57, il dit au mort où est ta victoire? Au mort où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ bien-aimé. We have authority over death. Nothing can stand against us. Who shall be against us if God is with us? Qui moun ki capable camper devant nous si nous nan kan bon Dieu bien-aimé? Maladie pa ka faire nous peur. Même la mort pa ka faire nous peur parce que Jésus ressuscité, li pa nan tombe là encore, li bien vivant. Et c'est ça qui espoir nous matin. Deuxièmement, après la puissance de la résurrection, nous voulons rapidement garder avec nous ça nous relé la joie. Que résurrection emporte. Matin, bien-aimé, si Christ n'est pas ressuscité, je nous te dis dans l'école de dimanche matin, en pile, nous ne pas qui côté nous taille, bien-aimé. Nous ne connaissons pas qui côté nous taille. Ce n'est pas que nous ne sommes pas malades, bien-aimé. Ce n'est pas que nous ne sommes pas problèmes, bien-aimé. Mais je dis, regardez, malgré maladie, malgré problème, mais nous avons espoir, bien-aimé. Nous avons sourire, nous avons la joie, on la joie indicible, bien-aimé. On la joie que l'argent, la relation, la connaissance pas capable de bailler, mais on la joie qui sortit seulement. Non, bon Dieu, les disciples bien-aimés, ils ont exprimé une joie profonde, une joie incomparable lorsqu'ils avaient appris de la résurrection et certainement rencontré Jésus, le Dieu ressuscité, bien-aimé. Eh bien, ils étaient contents, texte 17, cette joie transformait leur peur en courage, les transformait leur douleur en allégresse, les transformait, bien-aimés, problèmes, ils ont bien-aimé en la joie. De même matin, la résurrection de Jésus-Christ, et bien, il a apporté une nouvelle dimension à notre foi, une joie ineffable, une joie qui transcende toutes les circonstances. Quel que soit ce que vous traversez matin, c'est pour prendre courage. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, il porte joie. En rencontrant Jésus ressuscité, dans la vie, nous sommes aussi transformés, renouvelés et restaurés dans sa présence vivifiante. Même si le docteur dit pas qu'il y a espoir, mais avec la résurrection de Jésus-Christ, faut gagner espoir. Même si boss travail a dit ou pas arrêter, mais avec la résurrection de Jésus-Christ qui vivant dans la vie, eh bien c'est pour faire cœur content parce que le plan de Dieu, eh bien bien-aimé, il est éternel. Les bon Dieu dit un bagage, même si l'homme d'accord, même si l'homme pas d'accord, eh bien seulement prends patience avec l'éternel. On jour il va dire arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Et troisième et dernièrement, que nous voulons garder non seulement la puissance de la résurrection, non seulement la joie de la résurrection, mais nous voulons garder aussi bien la mission transcendante de la résurrection de Jésus-Christ. The future, the things that it allows me and you to do. Jésus, comme Jésus confie aux femmes le mandat de témoigner sa résurrection aux disciples. Bien, même Jean, bien-aimé, matin, moi-même, ensemble, avant nous appeler pour nous pas qu'imbé nouvelle ça pour nous-mêmes seulement. Et chaque jour, bien-aimé, il y a des milliers et des milliers de monde qui a mouru sans Christ. Chaque semaine, bien-aimé, il y a des centaines de milliers de monde qui a mouru sans Christ. Matin, moi-même, ensemble, avant nous avons l'évangile. On l'évangile, Christ mourit ressuscité. On l'évangile, Christ ressuscité, le monté dans le ciel. On l'évangile, Christ allé dans le ciel, il y a pour le retourner. On l'évangile que monde qui fait volonté Christ a un signal donné à la voix d'un archange lorsque le Seigneur Jésus paraît dans les airs, eh bien, il va transformer pour aller rencontrer le matin. On l'évangile, bien-aimé, qui veut dire, même si la vie finit, même si on parle, c'est pour monter, c'est pour descendre, mais faire mon Dieu confiance, parce qu'elle promet les papes jamais abandonner. Les papes jamais quitter. On l'évangile, bien-aimé, même si maladie veut finir avant, eh bien, bon Dieu, elle parle, bien-aimé, l'éternité envahit. On l'évangile, bien-aimé, non seulement il guérit l'homme, il guérit corps, afin que tout le monde soit capable de gagner la vie dans les mêmes bien-aimés. Matin, nous sommes appelés à témoigner de la réalité de la résurrection de Jésus dans la vie, nous, pour nous partager avec audacité, pour nous attacher avec assurance cette bonne nouvelle de la victoire que Jésus prend sous la mort.
Notre responsabilité en tant que serviteurs de Dieu, c'est pour nous faire certains, nous sommes des porteurs de lumière. La vie nous supposait refléter que nous, en fait, c'est lumière et ciel, terre, bien-aimé. Ce n'est pas seulement ça nous dit, mais ça nous fait compter. Ce n'est pas seulement combien de versions on connaît, mais j'en parle à moun compter. Ce n'est pas seulement combien l'argent baille la banque, mais j'en chante, j'en prie, j'en adore. Est-ce que vous sentez Jésus certainement, les vivants dans la vie ou? Matin, on doit être son porteur de lumière, ou doit on monde qui vit dans un monde troublé et ténébreux, ça. Il faut capable de dire, prends courage dans le Seigneur. Il faut capable de vivre la puissance salvatrice de la résurrection de Jésus-Christ. Matin, pour nous finir, bien-aimés, mes chers frères et sœurs, nous voyons la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Les limites que moi-même ensemble avant. Les mettez lumière sur que nous, les renouveler foi nous. Les faire nous connaître, bien-aimés. Nous devons prendre courage et témoigner avec zèle cette vérité glorieuse, bien-aimée, que le monde pas connaît. Mais maintenant, puissions-nous vivre dans la certitude que notre Seigneur est vivant. Il a régné les chita à la droite du Père. Et là, tant nos jours manqués pour le capable de retourner. Maintenant, c'est le moment pour nous chercher à vivre pour l'éternité. Et si grand monde maintenant qui peut croire en Seigneur, ça me remet, j'en dis dans Hébreux chapitre 13. Le 20e verset, il dit que le Dieu de Père, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Auquel soit la gloire, l'honneur, l'exaltation au siècle et les siècles. Maintenant, m'encourageons, bien-aimés, pour nous terminer sous la campagne ensemble avec moi. Pendant ce cantique que nous joignons dans 74, section créole, dans le chant d'espérance qui dit « Allayons amis, c'est Jésus. Tout péché nous, c'est charge-li. Allayons bien faire pour porter peine bali dans la prière. Combien fois la peine nous perdue, combien fois chagrin nous subit. Pour qui? Parce que nous pas porter tout bali dans la prière. » If you would be willing this morning, quel que soit ce qu'on a traversé, sous senti le dépasso, sous senti pas capable, espace là ouvert matin. Cher aller ouvert, pas venir devant un pasteur, ou pas venir devant un diacre, ou pas venir devant un leader de l'église, mais venir devant le Dieu des dieux, ou venir devant le roi des rois, ou venir devant l'éternel des armées, ou venir devant le Dieu tout puissant, bien aimé. Il dit même si péché a été rouge, tant que crois moi si, il est capable de faire plus blanc que la neige. Même si tu es marré dans le fond péché, tu es capable de retirer dans la poussière, tu es capable de retirer dans la fumier pour mettre au chita parmi les gens qui sont sauvés. Maintenant, the last question I would ask you. Si tu as mouru, maintenant tu as expiré. C'est ta dernière seconde ou c'est ta dernière minute ou c'est ta dernière heure de temps qui garantit qu'on gagne un signal donné à la voix d'un archange. Ou c'est un homme qui a transformé pour aller rencontrer dans les airs. Si tu es mouru déjà, va un homme qui va ressusciter premièrement. Pour aller vivre avec elle pour le temps et l'éternité. Si vous avez assurance ce matin, table à aller ouvrir pour vous. Pas que tes monde qui sont côté. Venez. Venez. Pendant mon courage, vous fermez les yeux pour Dieu va attendre au matin. La yonze en mi, c'est j'ai. Tout péché, c'est chargé. Yeah.
nos amis que Jésus. Nos amis qui baillent pour sauver le monde. Seigneur, nous nous merci pour ce grand amour. Merci de ce que tu permets de capable venir célébrer dans moment ça pour nous rappeler à l'église encore. Sortez prend pour nous à la croix. N'a célébré yon Jésus qui vivant. Non pas gagné mot. Merci de ce côté sauver nous par grâce. C'est nous gain chance matin pour n'a célébrer. Non ça. Merci pour tout ça que tu fait. Les chants, les musiciens. Merci pour tout le monde qui t'a baillé contribution dans service ça en façon l'autre. Merci pour l'évangile. Merci pour le messager. N'a demandé ou capable bénir chaque grand monde qui t'est dans assemblée qui t'est vienne plonger devant trône au matin. N'a pas d'autant prix pas quitter nous sortir Seigneur Dieu. Si tu as quelqu'un parmi nous qui peut encore faire la paix avec vous, qui peut encore accepter comme seul sauveur et Seigneur. Car où tu es mort pour eux, même Jean tu es mort, même pour Sila qui te prend captif, même ça qui te croit dans la foi, qui était dans le sein d'Abraham. Où tu es allé, même dans le bas-fond de la mort, pour te casser, code de la mort pour te bailler la vie. Où tu as porté l'évangile à l'esprit, ça pour faire où qu'on est. Ça, où te promet, ça que te bon Dieu te promet là, l'y accompli. Et c'est pas l'évangile ça, que nous tous nous sauver, nous gagner la vie éternelle. Nous merci pour ça. Seigneur, nous arrivons dans le moment côté nous allons séparer pour un petit bout de temps. Nous allons retourner parce que nous disons moment consacré à vous-même et à vous-même seulement. Pour nous tourner après-midi, permettre-nous aller et nous retourner en bien. Restez avec nous comme ça, c'est écrit que nous, dans Jésus petit tout, que nous prions. Amen. En disposant que nous pour nous capables de recevoir la bénédiction. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.